Bonsoir à tous et bienvenue, pour un épisode sur Slime Rancher et bienvenue pour la suite. Alors que, hop là, je reviens ici, pourquoi? Parce que j'ai trouvé le dernier, hop là, la dernière capsule de la région. Elle est là. Voilà, capsule en mode aquatique. La capsule en mode aquatique vous permet d'aspirer des accessoires à la mode pour vos slimes, équiper l'air en tirant sur les slimes pour donner... D'accord, ok, c'est à chier. C'est pas grave. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouvel épisode. Alors, pour faire 2-3 petites bricoles, encore une fois, vous le savez très bien à chaque fois, c'est toujours des petites bricoles à la con. Nous sommes riches, nous sommes pétés de thunes. Nous avons quelques lignes qui sont plutôt bien automatisées. Je voudrais voir un petit peu comment ça fonctionne ici. Dans ce dernier temps. Alors, tac tac tac, voyons voir. Ok, ça fonctionne. Ça fonctionne dans l'absolu, je ne vais pas me plaindre. Ouais, c'est cool. On a deux petits arbustes. On a des mangues ici. Et tout le reste ici. Hop là. De quoi les réveiller, ceux-là, ça peut être bien. Alors, nous sommes riches. Alors, on va mettre abeille bourrionnante pour les slimes mielleux. Parfait. Tenez mes loulous. Amusez-vous avec. Et pour eux, je ne sais pas ce qu'il leur faut. Gyrotop pour le slime derviche, ouais. Voilà. Amusez-vous avec les loulous. Hop là. Voyons voir au niveau des plantes qu'on en met. On est quasiment full au niveau de ces plantes là, donc on va les récupérer. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à automatiser, à réfléchir de fond en comble à ce que nous allons faire au niveau de notre organisation. Et nous allons aussi d'ailleurs unlock, on va essayer de faire en sorte d'unlock au niveau du laboratoire. Le labo, tout simplement. On va essayer de débloquer les places de ranch qui nous sont accessibles théoriquement. Voilà. Eux ils vivent bien, ils vivent leur vie, c'est cool. Ok. Ça va aller par là, bien sûr. Ensuite, dans 2 minutes, c'est bon. Il n'y a que celui-là. Ah oui, mais c'est... Ah oui, c'est vrai que j'avais mis un rucher là pour faire un test. Alors, il nous fallait l'équivalent de 2 runs. Ok, on va partir dessus. On va faire ça déjà pour le début de l'épisode. Oh putain, ça commence déjà très mal. Voilà, c'est parti. Allez, un petit peu de chasse au slime. On essaie de regarder un petit peu ce qui pourrait être suspect. Ok, non, pour le moment c'est cool. C'est chill. Toi. Bon, effectivement. Toi. Pareil. Toi. Voilà, viens là. Je sais qu'il y en a un petit qui s'est barré. Il est caché derrière. You. Non, là. Salaud. Petit salaud. Toi. Bien sûr, on va te récupérer. Allez, voilà, slime buggé. Voilà. Jusque-là, tout va bien, dans l'absolu. Ok. On va avancer, on va progresser, on va aller un peu plus loin. Alors. Voilà. Le slime. Voilà. Viens là, toi, mon loulou. Oh putain, mais il y en a beaucoup, là. Au secours. Voilà. Stop. On arrête. Et toi, viens là. Hop là. Parfait. Donc ça, c'est good. Ça, c'est good. Ces slimes-là ont l'air plutôt unsus. On va aller par là parce qu'il y a la petite zone ici où t'en as
bien souvent beaucoup. Voilà, comment gagner assez facilement une bonne quantité. Je me suis fait grailler un peu, mais ce n'est pas grave. Y'a la loulou. Voilà. Et toi aussi par là. Merde. Chier, c'est pas grave. Hop là, on va voir normalement des sprays buggy, c'est juste à côté. Ouais. Non mais pourquoi il y a autant de slime de merde? C'est très tôt pour les avoir. Allez, vous venez là. Mais je peux plus, au secours. Quel enfer du cul. Quel enfer du cul cet endroit. Ah, ça va pas être une bonne run ça. Je reconnais. Voilà, ça jusque là ça va. Là t'en as un autre. Voilà. Tic tic. Tic. Ok. Petite cinquantaine là déjà, c'est pas mal. J'ai plus de stamina. On va recharger tout ça. Et hop là. On est bien. Merde, non, c'est pas acheté les bons. Voilà. Là, toi. Je sais que t'en es un. Il y a un gros aussi encore. Il est où? Merde. Au revoir. C'est pas grave. On va avancer. Côté info. Putain, c'est un faux aussi salaud. Voilà. Voilà, on va avancer par là. Merde, la sortie. Oh putain, ils ont vraiment pris une sortie de côté. Quel salaud. Aïe, 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 aïe. Hop là. Toi. T'as un bugged. Ok. Bon, 70 en vrai, ça va le faire. C'est une run moyenne dans l'absolu. Si on refait un peu plus que ça, on peut faire ça en deux runs. On peut retrouver toujours les petits slimes sur le chemin, mais bon. On va pas trop s'attarder. Hop là. Allez. On se casse, on se casse, on se casse, on se casse. Cassos. Au. Je fais grailler un coup. Ok. 79, c'est bien. Putain, la sortie elle est compliquée à trouver hein. Oula. Oula. Ok, elle est là. Je peux gratter un ou deux là. Putain, ils étaient tous cachés là. C'est gros. Voilà, 88. C'est pas grave. Tant pis. Allons-y. 88, ce sera bien. Ok. 88 rapports de bugs. Allons-y.
Ok, faut en faire moins d'une centaine, c'est cool. Avec les petits cubes qu'on gagne. Ok. Dans l'absolu, l'idéal, faire le même score. Allons-y. Allez, deuxième round. Voilà. Du gros slime de basse. Pas de slime buguette dans le coin. Ok. Non, c'est que du... Que du slime basico-basique. Il n'y a que lui, pour le moment. Ah, sur tout seul, il n'y en a pas un seul, hein. C'est exceptionnel. Là, c'est d'une pauvreté. On va aller dans une région qu'on n'est pas encore allé. Un peu plus loin. Là. Voilà. Là, voilà. Déjà, on voit la 11. Voilà. On voit la 16. On voit là un autre. Toi, t'es bon, t'es bon. Ok. Là aussi, c'est une bonne région. Tu vas en avoir pas mal qui spawnent des... Juste le tout, c'est de les trouver. Il y en avait plein. Voilà. 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 Ok. Là, viens là, petit salaud. Viens là, petit salaud. Voilà. Hop, petit con. Ok. Vous avez dû trouver la majorité du coin pour le moment. Voilà. Là, merci. Il voulait vraiment pas me l'absorber. Là, voilà. Hop là. On y arrive progressivement. C'est... Faut prendre son temps. Et on s'assure. On gagne qui est sus. Hop là, avançons, avançons. Il ne faut pas beaucoup plus, mais il en faut quand même un peu plus, donc... On a le temps. Voilà, il y en a souvent qui pop dans le coin. Ça peut être une zone qui peut être très prolifique aussi là-dedans. Juste faire gaffe aux chasseurs qui, eux, sont invisibles. Qui en sont des fois, donc, très discrets. Voilà, ça. Merde. Voilà, on est pas mal. Ok. On va partir un peu en couille quand même. Hein. Donc on va pas trop traîner. On va essayer de vraiment faire le plus gros du travail. Voilà, c'est bien. Hop là.
C'est un nom. C'est un nom bien franc. Toi, c'est un oui. Et toi, est-ce que c'est un oui? C'est un oui, bien sûr. Merde, je l'ai balancé très loin. Ok. La sortie, par là. Bien, parce que ça me force à ne pas faire demi-tour, donc ça veut dire que je peux globalement vite fait explorer une micro-région. Voilà. On va retourner sur la zone de tout à l'heure. Oh, bah, de toute façon, la porte est là. Regarde juste là-dedans. Voilà. Voilà, ok, 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 j'ai compris. J'ai compris que j'allais me faire péter le cul. Ok. Je... Oui, si, ça bon, je suis. Pas beaucoup, mais j'ai le compte. Voilà. Et voilà. Bonjour Béatrix, je suis content de te revoir. Les rapports de bugs que tu as collectés sont des plus édifiants. Grâce à toi, j'ai isolé la source de slime bug et j'ai une solution pour les enlever afin de pouvoir continuer à travailler sur la simulation. Mais d'abord, je dois te dire quelque chose. J'ai déterminé que la simulation que j'ai lancée sur ta performance dans ce projet n'était pas fausse du tout. Si elle a bien projeté des résultats erronés, il lui manquait une donnée cruciale. C'est que l'univers peut nous surprendre. Avant d'observer ta volonté de m'aider, moi un inconnu, et ta ténacité au sein de la simulation, je me disais que les gens et leurs capacités étaient bien plus prévisibles. Mais tu m'as montré que toutes les données du monde ne peuvent rivaliser avec l'étincelle qui motive les humains. Et ça ne signifie pas que ce projet et le processus scientifique à apprivoiser n'en valent pas la peine, bien au contraire d'ailleurs. Mais je dois me souvenir que l'inattendu a également de la valeur. Je regrette de ne pas l'avoir compris avant. Si je n'avais pas simulé les relations et que je m'étais laissé surprendre, alors j'aurais peut-être pu me lier à de nombreuses autres personnes dans ma vie. Dans cette optique, j'espère que l'on restera en contact pour aller dans ce sens. Je t'offre mon atelier. De plus, j'ai décidé de ne pas régler les problèmes qui créent les slime buggés. Je trouve que ce résultat très inattendu vaut le coup d'être conservé et étudié. Voyons où cela nous mène. Qui sait, si ma simulation n'est pas une réplique parfaite de Far Far West, elle a justement le mérite d'être très différente. En ce sens, c'est une découverte très excitante. Attends, je vais y arriver à parler. Je te prie donc de continuer à collecter des rapports de bugs afin que je puisse étudier les slime bugs et je te donnerai toujours plus de multicubes pour te récompenser. Mais on pourra aussi papoter à l'occasion, tu pourras choisir le sujet. Je pense que ça me plaira beaucoup. Ok. Donc... Où c'est à l'entrée? Là. L'atelier. Quelle est cette chose? Bon. Ok, donc tu as combien? 1, 2... 3, 4 compartiments. Ok. Pardon ? Pardon, et monsieur est doué ? Est-ce que cet endroit a un intérêt quelconque ? Je ne sais pas. Peut-être, hein, mais je ne l'ai pas. Bref. Ok, donc ceci étant dit, on va retourner vers Far Far West. Pourquoi? Parce que déjà il y a ça qui est terminé. Ça, c'est radin. C'est d'une radinerie ce truc, c'est incroyable. Les ruchers, il va falloir des plortes. Mais justement, les plortes, parlons-en. Parlons-en au mieux. Comment on va faire? 121, tac tac tac. Bon, on va voir. Voilà. Tiens.
Putain, il est affamé, là. Il en a mangé deux. Ah, putain, bon, très bien. Hop là. Donc. Nous avons toujours le tofu à faire, mais le tofu, c'est peut-être encore un peu tôt. Des cœurs de betterave. Tac. Est-ce que ici tout est fonctionnel? Je veux pour les slimes. C'est con. Tellement con, putain. Tac. Voilà. On va peut-être pas, tout brusquer non plus. Hop, du plan retardant. Hop là. On en est où? On est 93 et 53. En vrai, ça va. C'est chill. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une excellente question. J'ai 70 millions de poules. Alors, comment on va organiser la suite, en fait? Ça, là, c'est là toute la question. Donc, nous avons des fruits là-bas. Il va nous manquer 4 slimes à compartimenter. Tiens, d'ailleurs, avec les 38 000, on va se permettre. Coup de récompense. Ça commence à coûter très très cher, quand même, tout ceci. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est pas grave. Et tiens, d'ailleurs aussi, technologie... je sais pas ce que c'est... Ah si! Oh, c'est pour les ranchs. Tiens, on va mettre des ranchs un peu plus colorés. Ouais, c'est cool. Ok, voilà. Alors, nous avons les cadres compartimentés. Nous avons les phosphorescents, nous avons les tigrés, nous avons eux. Il va falloir un compartiment... pour les légumes. Donc les légumes, qu'est-ce que nous allons avoir? On peut mettre les oka oka pour les radioactifs. Et... non, pas eux. Tac. Qui est-ce qui mange des légumes? Il y a eux, mais eux, c'est un peu chiant. C'est eux aussi, non, qui mangent des légumes. C'est pas les... Mosaïques? Si. Ok. Ça va être bien, on va faire ça. Les radioactifs et les mosaïques, on va les mettre dans le laboratoire. On va aller prendre les deux. Voilà, quel enfer. Tellement de bordel. Cette slime radioactive, on le montrera bien. Et vous, mes loulous? Venez là. Voilà. On va vendre ces plantes radioactives là. On va remettre cette vers le labo et tout. Et on va le prendre directement puisque ça évitera les allers-retours. Voilà, on va mettre la batterie par là. Il va prendre le radis radioactif. Hop là. Alors, voilà, le panais argenté. Je disais un radis, mais ça n'a strictement rien à voir avec un radis, mais bon. Hop. Avançons par là. Oui, c'est bien. On va continuer à réalimenter régulièrement ces machines-là. Et hop là. Merci, je peux pas les prendre. Ah, je peux pas les transférer. Ah, fait chier. Bon, c'est pas grave. Ça fera de la déco. c'est pas le prix que ça coûte dans l'absolu, hein, très clairement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les corals où? Ah, quoique, bah non. Non. Non, puisque faut que ce soit compartimenté par 5. C'est pas réellement efficace. Donc, non. Non, merde. Oui, donc eux, faut les remettre par là-bas. En fait, c'est le problème, c'est juste le silo. En fait, le silo, il me pose problème si je veux le mettre. Je crois que c'est ces deux-là. Là. Transférer eux
Ok, comment faire? Re-bienvenue chez vous. Re-bienvenue chez vous, les loulous. Et vous, par la même occasion. Vous. Vous embarquez. Et on va détruire. Attendez, on va faire ce qu'on va. Démolir le terrain. Et hop là. Jardin. Panne argentée. Ok. Ensuite. Donc les slime rose. J'avais trouvé un endroit où les mettre. De manière efficace. Pour le moment, je pense qu'on va en mettre un peu ici. Hop. Coral. Mur plus haut. Ça servira toujours, tout ça. Peu importe le sable qu'on mettra dedans. Voilà. Le tout, c'est après de trouver un légume à leur donner. Dire des frubes. Je sais pas si con dans l'absolu parce que au final, ça reste un slime qui sert beaucoup. Hop là, on va faire ça. On va mettre un coral au-dessus pour le moment. C'est par où? C'est par là. Ouais, on va mettre ici le coral. Tac. Ah, j'ai peut-être une idée autrement de comment faire tout faire marcher, mais bon. On va voir ça avec le temps. Voilà. Et je vais mettre... Technologie aide, drone. D'accord. Maintenant, c'est simple. Lui, son objectif, ce sera... prendre les fruits qui sont dans le jardin pour les mettre... dans la mangeoire automatique. Voilà. Ok, donc ça, comme ça, on va pouvoir automatiser un petit peu ça, ce sera tranquille. Dans le pire des cas, en fait, ce qu'on mettra, c'est on pourrait mettre en plus, on aura on va avoir l'amélioration pour les fruits, pour avoir plus de rendement à un moment. Donc ça pourrait être intéressant donc, de mettre une espèce spécifique. On pourrait mettre les panais ou quelque chose qui serait un peu, une espèce qui serait un peu embêtante. Et vu qu'eux mangent de tout, on pourrait partager le même arbuste pour les deux. Pour être bien. Je pense que ça va se finir comme ça. D'ailleurs, je me permets quand même. Parce que les pauvres loulous, ils vont s'ennuyer tout seuls dans leur labo. Voilà. Voilà. Soyez heureux avec votre ballon. Mais ouais, ça pourrait être une excellente idée, ça. Mais lesquelles seraient les plus problématiques à faire? Je ne sais pas. Excellente question, j'ai envie de dire. Alors. Ils sont rechargés en flotte. Bob. Il veut des poulets. Il veut des poulets. Très bien. Elle est où la poulette? Elle est là. Des poulettes de base. Et des roncettes. Pas de soucis. C'est pas des choses qui sont très compliquées à ramener. Un, deux, trois, quatre. Mais donc ce qu'on va faire quand même... Puisque vu que j'arrive pas vraiment pas à choper des... comment on appelle ça? Voilà. Hop là, c'est good. De choper d'un gelée royale comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer pour le moment avec des drones simples. Et quand on arrivera à voir des drones un peu plus complexes, on les échangera au fur et à mesure. Hop là. Alors, les poules roncettes, on en est où? On
marche bien ce truc encore? Ouais, ça va. Ok. Eux, ils ont... J'ai bien compris qu'ils étaient dangereux. Les Oka Oka. On va en mettre une bonne quantité dedans. Sans tout remplir. Et en en gardant un. Les panes argentées, ça va être bon. Ah oui, donc les deux autres seraient des légumes. Ok. Ok, pas de soucis. Faudra juste trouver un endroit où les entreposer, entre guillemets. En vrai, j'ai ma petite idée. Pour le moment. Enfin. Je vais prendre cela. Ah oui, non, ce que je pourrais faire, comment, dans le meilleur des cas. Oh, j'aurais dû inverser. C'est pas grave. On va ajuster ça. On va mettre les deux par là. Donc, ça veut dire que tout ça, on va le dégager. Voilà, un petit peu de nettoyage de tout ceci. Hop là, 7 slime radioactif. On va mettre de ce côté-là. On va mettre les boucliers solaires aussi, parce que fuck, hein. Parce que fuck it. Ensuite. Ici... Il va falloir récupérer les 90 tonnes de plorte. On va vendre parce que j'en ai beaucoup trop dans mes stocks. On va faire ça au fur et à mesure, on va y arriver. Oh, je sais, les slimes de qui... Non, c'est bon. En fait, je sais déjà comment ça va fonctionner. Je sais déjà... Qui va aller avec les slime gros, ça va être les slimes de cristal. Vu que les slimes de cristal de... demandent des oignons. Et que les oignons... Ils ont la fâcheuse tendance à être... à ne pas être tout seul en fait dans les productions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre eux... Là... Voilà. Eux ici. Donc eux, il faudrait qu'on mette les oignons bizarres. Et donc j'ai libéré deux places au niveau du verger, enfin de tout ce qui est végétal. Ok, ce sera parfait. Ce sera absolument parfait. J'aurais dû débloquer, enfin lâcher ma poussière de lave, mais ce n'est pas grave. Je suis un gland. J'ai peur. Ouais, c'est dangereux, hein, les... Bon, en même temps, tu me diras, la région, là, va être un peu dangereuse. Entre les slimes radioactifs et ceux-là, bon... Et les mosaïques, ça va commencer à poser problème. Voilà. On gonfle un peu en niveau pognon. Ça coûtait, d'ailleurs, combien? Attends, bon, d'ailleurs, on va... Hop, là. Ok. Tac, les récompenses, la prochaine c'est 25 000. Pas de soucis. Pas trop de soucis en tout cas. Hop là. Ça c'est bon. Ok, donc ça, merde. On va pouvoir le détruire. Ok, ça tombe bien, on avait pas mis de filet. Bah écoute, pas grave. Donc on va mettre un jardin là. Avec de l'Oka, on va upgrade à fond. On va leur donner un peu d'Oka histoire qu'ils puissent se nourrir le temps que tout pousse. Ici, on va remplir en Oka. Ce sera nickel.
Voilà. Donc là, on va mettre à la place le silo. C'est ce qui est prévu. Mais pour mettre le silo, bien sûr, il va falloir un petit peu d'espace. J'ai pas de... Non, j'ai plus d'abeilles. C'est pas grave. Ah. Ah, je suis en train de faire chier un petit peu en même temps. Hop là. Bon, en vrai, ça devrait le faire. Ça devrait être... On devrait gagner en efficacité dans les quelques temps à venir. Voilà. Déjà, on est pas mal. Hop, voilà, 42. S'il veut, pas de soucis. Voilà. C'est qu'il y en a quand même du plort chez eux. Hein. Où est le loup? Au. Putain, il y a le caillou. Je leur ai privé de caillou. Bon. Vous allez le retrouver, votre caillou. Vous inquiétez pas, les joustiques. Les loustiques, ça va aller. La poussière de là, on va la mettre de côté, on va la mettre là. Dans le chemin. Pour aller. À la base, entre guillemets. Slime rocheux, on les mettra un peu plus loin. Ok, j'avais peur que. Celui qui était derrière, je l'ai vraiment pas vu. Genre, merde. Venu un chasseur géant et je le vois pas, il est juste transparent. Non, c'est bon. Ok. Et donc là, on va supprimer. Démolir. Ensuite, jardin. Voilà. Hop, panne argenté. Parfait. Voilà, parfait. Donc ça, c'est good. Ensuite, ici. Démolir le terrain. Silo acquérir. Voilà. Donc là, il va falloir des abeilles. Bon. Dans le but, là, pour le moment, l'objectif, c'est pas de tout stocker. Le but est simplement de produire les plores en continu. Voilà. J'irai pour le moment les choper moi-même, il n'y a pas de souci. Pas trop là-dessus. Que je vais être exigeant. On va juste réfléchir un peu. Ah oui, il faut. Normalement, c'est des plortes holographiques qu'il faut. Ça tombe bien. J'en ai 224 ici. C'est pour ça que je leur propose, je leur demande à chaque fois d'en stocker. Une pâte ou vendre, c'est que ça peut servir pour les technologies. Et c'est appréciable. Voilà. Parfait. Drone. Ouais, puisque le drone avancé, je ne pourrais pas, malheureusement. Donc, on va mettre des drones de base. Déjà, allez. 3 drones de base, ce sera très bien. Voilà. Alors. Là, maintenant. Où est-ce que je les mets? Je peux les poser dans les petits coins là, ou je les pose là. Les deux ici, hein, de toute façon. Un ici. Un ici. Ok. Alors, toi, tu cibles les légumes qui sont dans les jardins. Et tu veux les mettre pour le moment directement dans les mangeoires. Voilà. Toi, tu vas prendre les plortes qui sont dans les collecteurs de plortes et tu les mets directement dans les silos. Voilà. Pour le moment, on va rester sur un concept, sur un mécanisme assez simple dans l'absolu. Sachant que l'avantage, c'est qu'ils ont déjà un petit peu de stone, donc techniquement, j'espère qu'ils vont réussir à bien définir à chaque fois où mettre quoi. Par ailleurs, on va leur mettre leur joujou. Où est le...
Au moins, il y a une machine pour acheter les jouets à chaque, dans chaque biome, non? Peut-être pas, après, on finira. Ok, bon, il va récupérer les panais, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Bah, on va aller chercher les jouets. Ah, il fallait quoi? C'est pour les mosaïques. Alors, les mosaïques, je sais pas du tout ce qu'ils ont besoin. Ou la facette? Donc, voilà. Voilà. On s'amusait avec leur boule à facette. Parfait. Et on va remettre une batterie. On va reprendre une batterie au plomb là. Enfin, une batterie, non. Une batterie au plomb, c'est une cellule d'énergie. Hop là. Ok. Donc là, comme ça, on est tranquille. Voilà. Ça, ils ont leur jouet. C'est pas. Ah, merde. Lui, évidemment, il est parti chercher les... portes en question, mais c'est pas ces portes-là effectivement qui sont intéressantes. Bon. On va les récupérer instantanément après. De toute façon, non, tu me diras, j'ai pas l'espace. On va les vendre. Et on récupérera ça un peu plus tard. Avant d'arrêter l'épisode là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'on va faire? Et bien, on va voir. On va voir. J'ai combien de slime encore? Alors, c'est la question aussi. J'ai combien de slime au total encore à élever? Ça va être bon. Ok. Attends. Non. Je dis ça va être bon, mais non. Ça me manquait quoi? Des slimes rocheux? Attends, est-ce qu'il me manquerait pas que les slimes rocheux, justement? Parce que ceux-là, ils sont prêts. Ceux-là, ils sont placés. Aussi, eux aussi. Eux aussi. Ceux-là, bien sûr. Ceux-là aussi. Ces deux-là, bien sûr. Celui-là, il vient d'être fait. Celui-là, il est juste derrière moi. Ah ouais, donc il va manquer que les slimes rocheux. Non, mais c'est parfait. C'est parfait. Slime rocheux, ils vont aller là. Ah oui, puisque de toute façon, en même temps, je peux pas les mettre autre part. C'est dommage quand même. Mais oh well. À moins que j'utilise les roses. Que je mette les roses dans un coin tout seul. Ouais, mais non, puisque les roses, ils fonctionnent... Vu que ils vont fonctionner en synergie avec les autres. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre un oignon bizarre. Dis-moi dans le terrain. Coral. Myofluo. Tac. Je sais bien, ils auront déjà des légumes chez eux. Donc, servez-vous, nourrissez-vous. Voilà. Ici. Non. Est-ce que je supprime... Bah, je peux supprimer la culture, tu me diras. Je vais démolir le terrain. On va partir sur un silo. Hop là. On est d'accord. Ça, il prend ça et on peut mettre. Voilà, comme ça, on sera tranquille. Ok, et donc comme ça, au moins, l'avantage, c'est que j'aurai les poulets de base, ils seront là et on sera tranquille là-dessus. Ok. Ah oui, il faut que je ramène votre caillou d'ailleurs aussi, ne vous inquiétez pas les loulous. L'Oka-Oka, je vais leur donner pour le moment. Je vais leur mettre directement dans leur... dans leur machine.
Voilà. Upgrade. Voilà, ensuite. Aide, un drone. Drone très simple. Les légumes qui sont dans le jardin. Hop, directement dans la manche automatique. Hop là, bonsoir. Hop là, on est parfait comme ça là-dessus. Donc là, techniquement, tous nos slimes sont automatisés. Il va nous manquer techniquement un slime. Ça va être les slimes préhistoriques. Mais j'imagine, au vu de la complexité du truc, que je ne pourrais pas les acquérir. À moins que j'en fasse des gros. Et à ce moment-là, il y a peut-être une option supplémentaire. Voilà. Ok. Donc là, il y aura des panais. Non, on va pas mettre beaucoup de panais comme ça. On va mettre moyen. Moyen en termes de dose. Là, pareil. Hop là, parfait. Parfait, parfait. Il y a pas mal de plantes dans tous les sens. C'est ce qu'il faut. Les oignons bizarres. Ils vont aller là-bas. Et déjà, on sera bien. Hop. On fera penser à tout le temps les réveiller. Par contre, ça serait un peu la difficulté. Mais bon, ça, c'est un autre détail. Putain, ça pourrit un peu quand même. Hein, les... Voilà. Ça me fume qu'un petit puisse s'en battre les reins. Alors. Ici pousse, non. Ici ne pousse pas ça, par contre. Évidemment, on va mûrer. Première culture. Ici va pousser des oignons étranges. On verra s'il est suffisamment intelligent. Dans l'absolu. Ensuite, on va mettre un silo là. Avec du stockage supplémentaire. Voilà, parfait. Ok. Donc là, maintenant, on va avoir un nouvel objectif. Enfin, un nouvel objectif. Plusieurs dans l'absolu, même si... Le... En fait, là, je me rends compte que si, on va se rapprocher même pas mal de la fin. Parce qu'on va avoir tout automatisé bientôt. Il faudra juste avoir tout ce qui manque. Évidemment, j'ai encore ma poussière de lave alors que je voulais l'acheter. Enfin, l'acheter. Vous avez compris. Rentabiliser. Hop là. Voilà. On a 7000 de pognon. En vrai, pour toutes les upgrades et tous les changements qu'on a fait, ça va. C'est pas plus mal. Tac, 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 tac. Là, on a du poulet à plus savoir quoi en foutre. Attends. Ah oui, ok. Donc non, ce que tu vas prendre, c'est que les viandes qui sont dans le silo, tu les mets dans les mangeurs automatiques aussi. Ah non, c'est déjà... Attends, c'est ce que je viens de mettre là. L'autre, il fait quoi? Il récupère juste les plantes, c'est ça? Ok, il récupère juste les plantes. Donc effectivement, donc... Non, les viandes... Ils sont dans les poulaillers, dans le silo. Voilà. C'est pour ça que ça va pas marcher. On va voir ça. Alors ça, on va voir ça. Voilà. Ok. Parfait. Donc ça c'est good. Tora, tiens. Un peu aussi, pas un peu de sucre par hasard. Ok, très simple. Dans l'absolu. Hop. Une petite couleur 7. Et des mangues, ça tombe bien, des mangues. On en produit pas mal. Voilà, tec tec. Les mangues, les mangues, les mangues. Les mangues, elles sont là-bas.
Allons-y. Et ensuite, on est nickel. Allez, on les réveille. Parce que ce n'est pas tout. Voilà. Pareil, c'est va en falloir. Hop là, ça je prends aussi, tiens, par la même occasion. Hein. Merde! Fais chier! Eh bien, vol! Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Tout le rajustement en termes de nombre de slimes, ça on verra ça plus tard. Ah, mais attends. Ah, mais on va peut-être remodifiera peut-être le laboratoire, je préviens. Ah, c'est con, hein, dit comme ça, mais c'est pas impossible. Est-ce que je m'en fous des pouvoirs cactés, là? Hop, là. Voilà. Mon petit poulet. Ça. Voilà. Et lui va me vendre 2-3 trucs. Voilà. Pas besoin de plus. Ok. Et bien sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà. On se retrouve bientôt donc pour la suite. On va voir comment on va faire. On va encore faire des petites améliorations tout ça. Il n'est pas impossible que le laboratoire change au final. Le laboratoire, ça se trouve, il y aura de petites nouvelles updates. Et peut-être on remodifiera tout ça. C'est juste sûr, c'est que la grotte, ici, et on a trois régions qui vont être, qui sont fixées comme définitives, entre guillemets. On va juste voir un petit peu comment ça va se gérer. Mangeur automatique, ouais. Bon. On va le laisser éveiller quand même un petit peu, mais bon, ça c'est un autre détail. Donc là, prochain objectif, au prochain épisode, on va faire un petit peu les missions de Jean Billy qui veut des fruits dans un monde où les plortes, dans un monde préhistorique. Donc on verra ça. Je vous fais en attendant de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, zou.